Bon, on en parle ou pas du TIE Fighter? Ah, je le kiffe. Donc, je suis là avec mon TIE Fighter pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Bah écoutez, c'est fun. Oh, il y a du vent, hein. Il y a un petit peu de vent encore aujourd'hui. De toute façon, on rentre dans une période où en Vendée, moi, je vais avoir du mal à ce qu'il n'y ait pas plus de vent. Donc, il va falloir choisir ses journées quand même. Vous voyez, là, je suis à fond à gauche. J'ai le vent qui vient de ma gauche. Il a vraiment du mal. Donc, c'est vraiment pas fait pour ces journées-là. Mais il y va. Il y va quand même. Hein. Il se laisse pas faire. Hein. Oh. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, il n'est pas fait pour ça. Hein. Il n'est pas fait pour les vents comme ça. Là, on galère un petit peu en marche avant. Mais vous aurez compris que ce petit engin est super facile à manier. Vous verrez qu'il n'est pas juste fait pour l'indoor, pas du tout. Bien au contraire. À poser, c'est un vrai plaisir. Hop, là, le vent s'est calmé, j'en profite un peu. Je descends le throttle, bam, je le pose. Il est vraiment hyper stable. Pour les loopings, rien que plus simple, on maintient le R1 et on met une direction. Si vous êtes déjà en train de faire une direction, vous appuyez sur R1, il va faire son looping tout seul. Je trouve ça génial. Et en vitesse 3, ben voyez, il combat quand même le vent. Mais c'est un engin qui est vraiment pas lourd, hein, donc faut pas s'attendre à des grosses perfs à l'extérieur s'il y a du vent. Par contre, par jour sans vent, il est vraiment génial. Pas de vol de nuit avec cet engin-là, à déconseiller. Oh, le fait d'avoir les lumières qui clignotent, c'est vraiment pas sympa. Hop là, je coupe le moteur. Est-ce que je suis arrivé en fin de batterie ou est-ce que... Il a simplement pas envie. Non, il reste un petit peu de jus. On va se tenter le mode headless. On a vu les loopings. Tac, je maintiens les deux. Hop là, je suis pas orienté. Je vais me mettre dans le bon sens. Voilà, à gauche, en face, vers moi. Et je pars en rotation. Donc ça, c'est beaucoup plus impressionnant quand il n'y a pas de vent. Oh, c'est drôle quand même, hein, à voir tourner. On peut même se faire un looping en train de faire ça, je suis sûr. Eh ben oui, on fait des loopings, on ne sait plus dans quel sens on est. Allez, je ressors du mode headless, tac. Ah, ça y est, les batteries clignotent, j'ai l'impression. C'est pas grave, il va se poser tout seul. Bon, écoutez, ça y va, hein, ça y va. C'est dur à faire, hein, le bruit du... Essayez de vous entraîner à faire le bruit du TIE Fighter. Bon, excellent petit appareil, voilà. Donc bah écoutez, je vous mets le lien, merci Adam, merci Gearbest de m'avoir envoyé ces petits engins Star Wars. Franchement, celui-ci est vraiment très sympa à piloter. Il n'est pas lourdeau, hein, comme le gros Falcon bien sûr. Oh, c'est pas du tout pareil. Celui-là est vraiment fait pour la petite guéguerre. Hein. Il lui manque juste les lasers. Qu'est-ce qu'il est maniable par contre. Bonne maniabilité, bonne autonomie. On peut plus faire de looping normalement parce qu'on est au bout. Ah si, même en bout de batterie, il veut bien. Eh bah écoutez, ma foi. Pareil, hein, il va réduire les moteurs en fin de batterie, donc pas de souci. Faut pas faire du vol rater bien sûr, parce que vous allez vous croûter à tous les coups. Ah, jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, il va tenir. Hein. Donc donné pour 30 mètres de portée, bah, on les a largement, hein. On a fait nos petits 50 mètres. Oula, 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 ça y est, je crois que je suis enfin... Ah non, toujours pas. Il m'a fait crevard. Allez, on va remonter le vent pour le fatiguer. Là, je suis à 30 mètres. Là, j'ai toujours le contrôle, oui. J'avance encore un peu. On a fait les 50 mètres de portée. Gauche, droite, j'ai toujours le contrôle. On voit bien sur le mur blanc là-bas. Bon bah écoutez, hein, on a nos 60-70 mètres de portée, ça bouge toujours. Ah, ça sautille un petit peu. Allez, retour au bercail, à fond. Et je le retourne. Yes! Bien joué mon ami. Franchement, bien joué. Si vous vous approchez du sol, lâchez la direction et mettez de la puissance. Voilà, ne mettez pas en avant ou en arrière si vous êtes au ras du sol et que vous tombez. Parce que si vous touchez, vous allez faire un roulé-boulé. Hop là, je lâche. Dès que vous lâchez le stick de direction, il va reprendre, hop là, il reprend sa hauteur. Super maniable, il tient bien la direction et la hauteur à laquelle on le met.
Bien. Ah, si, je monte encore un peu. Ça y est, il descend. Hop là, terminé. Bon, super léger, il risque rien. Ah, il a ouvert la trappe direct. Les pilotes se sont éjectés. Ils ont bien fait. Bon, c'était Taskiller85 pour vous parler du TIE Fighter de Star Wars. Merci Gearbest pour ce petit joujou bien rigolo. Et là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire, moi... Bon, je vous avais dit qu'on pouvait pas voler de nuit avec celui-ci. Donc j'étais assez frustré quand même. Donc j'ai un petit peu bricolé dessus quand même. Je vous ai réservé une petite surprise pour ce soir. Alors ne quittez pas parce que ça va être un petit peu particulier ce soir. Vous allez voir. Donc je vous explique. J'ai eu l'idée de démonter ce petit engin pour lui ajouter deux petites LED sur l'arrière, rouge, et remplacer les LED clignotantes qu'il y avait devant par deux LED bleus magnifiques, vous allez voir ça, que j'ai relié sur la batterie. Donc ce petit montage, il est faisable, je pourrais faire un tuto pour ceux qui veulent modifier leurs engins. Mais en l'occurrence, ce soir, je vous présente le TIE Fighter. Et je vais vous l'allumer tout de suite, vous allez comprendre de quoi je parle. Et alors, une fois qu'il va être allumé, je vais vous parler du concours. Alors je vous le présente. Voici le TIE Fighter de profil, de dos, avec la coque bleue et de face. Attention, ça pique les yeux. Donc voilà le TIE Fighter maintenant équipé pour voler de nuit. Je le fais décoller et je vous parle tout de suite du concours parce que le TIE Fighter, je vous l'offre. Donc j'espère que vous êtes fan de Star Wars parce que ce modèle là il est unique, vous le verrez nulle part ailleurs sauf si vous le fabriquez. Allez, c'est parti. Vitesse 2 tout de suite. Et on va trimer. Il y a un léger souffle mais vraiment pas grand chose. Hop. Donc le trim. Voilà. Donc je perds un petit peu en autonomie forcément, mais mon dieu, qu'est-ce que ça vaut le coup. Je perds pas vraiment en pêche, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Mais j'arrive quand même à 5-6 minutes de jeu à peu près. Donc franchement, je suis pas déçu du résultat. Vous voyez ces reflets. Alors regardez la puissance de l'éclairage. Vous allez voir contre le mur. Je sais pas si vous vous rendrez compte sur les images. Donc il est vraiment équipé pour le vol de nuit. C'est parti. Allez, je vais vous parler du concours ce soir. Accrochez-vous parce que c'est pas tout à fait les mêmes concours que d'habitude. Hop, je vais passer en vitesse 3. Qu'est-ce qui marche bien? Est-ce que je vais réussir à vous dire ce que j'ai à vous dire? Bon, je l'aimais bien, mais je crois que ça y est, là, je suis amoureux. Hein. Bon, je vais tout juste m'en recommander un, parce que celui-là, je vous l'offre, comme je vous disais. Alors, si vous voulez gagner le TIE Fighter, le hors-série, le jamais vu nulle part encore, il n'existe pas, il n'existera que chez vous. Si vous voulez gagner le TIE Fighter, il va falloir être gentil ce soir, il va falloir être mignon. Voilà, j'ai envie de gentillesse. On approche de Noël, donc j'ai envie que les gens soient mignons avec les gens. Alors pour ce soir, il me faudrait un like, simplement, sur cette vidéo, pour montrer que vous aimez le TIE Fighter. Sinon, je vous le fais pas gagner, c'est pas la peine. Donc un like, je voudrais aussi un clic sur le lien que je vous mets chez Gearbest, et je serai vous, j'irai voir, parce que franchement, il est en promo encore pendant 3-4 jours. Si vous aimez Star Wars, vous attendrez même pas de gagner celui-ci, je pense que vous irez directement le chercher là-bas. Moi j'en ai déjà deux à commander pour un pote et moi. Donc ne traînez pas, à mon avis ça va pas durer. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Likez ma vidéo. Il va falloir, je vous ai dit, aller cliquer sur le lien de Gearbest, tout simplement. Et la dernière chose que je veux, et là il n'y aura pas de tirage au sort, et ben c'est simplement un petit commentaire sympa sur ce que vous voulez, soit une dédicace à vos parents, soit vous dites un truc gentil sur moi, ou un truc gentil sur votre chien, peu importe, une petite phrase sympa. Voilà, un petit mot sympa dans les commentaires, pas un parpin, bien sûr, hein, je vais pas passer, si j'ai 300 parpins, ça va être un peu long. Non, une petite phrase, un petit commentaire qui vient du cœur, et puis j'y lirai tout simplement, moi, avec ce que j'ai ressenti en lisant ce commentaire, j'y lirai celui qui m'a paru avoir mérité le TIE Fighter. Voilà, donc je me répète, c'est simple, je peux vérifier sur Gearbest par mon numéro d'affiliation le nombre de clics qu'il y a eu. Donc j'espère qu'il y aura autant de clics, je ne vous dis pas de l'acheter hein, bien sûr, mais au moins d'aller voir la fiche produit
de ce petit engin là, ça montrera à Gearbest quand même que mes vidéos servent à quelque chose, et comme ça il continuera à m'envoyer des petits engins pour que je puisse continuer à vous en offrir. Voilà, donc un clic, un j'aime, un clic sur le lien de Gearbest et un petit commentaire mignon, mignon, mignon. J'ai envie de câlin assez en se rapprochant des fêtes de Noël. J'ai envie que ce soit adorable. Donc ceux qui n'ont pas envie de participer, passez votre chemin. Ceux qui ont envie de dire un truc méchant, passez votre chemin aussi. Ce soir, c'est que de la tendresse et de la gentillesse. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Participez nombreux. Partagez la vidéo si vous voulez que d'autres personnes aient envie de mettre un truc mignon, même s'ils s'en foutent du TIE Fighter ou du TAS Fighter. Mais voilà, likez, partagez, un petit clic sur Gearbest et puis surtout le petit mot mignon. J'attends avec impatience vos commentaires. Bon les amis, portez-vous bien et puis à bientôt dans mes vidéos. Et bonne chance pour le concours. Ciao ciao, TAS Fighter. Oh!